Le programme. Qui veut le programme? Demandez le programme. Mesdames, messieurs, demandez le programme. Le programme? Salut toi. T'es de passage sur cette chaîne, tu voudrais bien t'arrêter, mais tu sais pas trop quoi y trouver? Ou alors, à l'inverse, ça fait déjà longtemps que t'es à mes côtés abonné, et même si tu sais que chaque semaine on va traiter un nouveau sujet, tu voudrais bien quand même avoir un peu de visibilité? Reste là, cette vidéo est faite pour toi, pour t'éclairer et te guider. Allez, chronique numéro 109, c'est parti! Tu vois, tout ça là, c'est la liste des sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. D'habitude, j'aime bien te faire la surprise chaque semaine des sujets dont on va parler. Mais là, je vais te les annoncer. En désordre donc, et sachant qu'ils seront de toute façon sûrement pas respectés, dans les semaines à venir, ensemble, on va aller se promener dans les rues de Paris parce que c'est le printemps, la période des cerisiers en fleurs, dans toute leur splendeur. Et puis on va retourner à l'atelier pour improviser le recyclage d'une roue de vélo. En étagère ou en lampe de bureau, qui sait. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on va bricoler. Et puis on ressortira quand le temps s'y prêtera, parce que je te dois une explication sur ce que c'est qu'un timelapse depuis un bout de temps déjà. Comme ce sera l'été qui fera beau, qu'on voudra bien en profiter, on restera dehors, on continuera à se promener en roue électrique cette fois. Et oui, la saison des nouveaux modèles sera arrivée et j'espère qu'on pourra tous les tester. Les Kingsong, les Gotway. Et en plus de la roue, on abordera la mobilité électrique dans sa globalité. Le skateboard, le vélo, le scooter, la trottinette électrique, sous tous les angles, par tous les aspects. On parlera des véhicules, de la loi et de la sécurité. J'ai aussi envie de te présenter ce drôle d'objet, un filtre à eau que j'ai découvert chez Family Flow. On en profitera pour lui fabriquer un présentoir, un endroit chaleureux où on aura plaisir d'aller pour boire de la bonne eau. Et au milieu de tout ça, on continuera, on papotera, on improvisera sur tous les sujets, on se concentrera surtout sur ce qui va, oubliant tout ce qui cloche, ce qui blesse, tout ce qui boite et qui fait mal. Parce qu'on est vivant, c'est une chance et l'important, c'est là qu'il est. Voilà. Alors, si t'es intéressé, oublie pas d'aller t'abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être alerté quand il y aura de la nouveauté. Mais d'ici là, avec un œil rivé sur notre programme bien chargé, je m'en vais aller travailler pour pouvoir te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Postscriptum, dis-moi toi, en commentaire, pourquoi t'es là, ce qui te plaît, les balades, le bricolage, la mobilité ?